Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du 17 mai 2021 avec le président Abdel Fattah Sissi qui est arrivé hier à Paris et qui s'entretient aujourd'hui avec son homologue français Emmanuel Macron du renforcement de la coopération bilatérale et des nombres de dossiers internationaux d'intérêt commun, notamment la cause palestinienne. Il s'y prend part aujourd'hui à la conférence internationale d'appui à la transition du Soudan et demain au sommet sur le financement des économies africaines. Les relations égypto-françaises sont fondées sur les liens historiques denses d'amitié et de confiance qui se sont fortement développés récemment dans tous les domaines. Les rencontres bilatérales de haut niveau se sont multipliées avec un rythme d'une visite au niveau des chefs d'État quasiment tous les ans. Alors, les deux pays mènent un dialogue politique étroit sur les sujets régionaux tels que le processus de paix au Proche-Orient, la Libye ou encore l'Afrique, aussi bien que la lutte contre le terrorisme. Sally Hamid nous donne plus de détails. Les relations stratégiques entre l'Égypte et la France sont distinguées et tiennent à promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment économiques, sécuritaires, militaires, d'investissement et de développement. L'Égypte reste avant tout un partenaire commercial et géostratégique pour la France. Depuis 2015, l'Égypte réalise des contrats d'armement avec la France, notamment via l'achat de rafales, de frégates, de radars ou encore de drones. Ces contrats avoisineraient les 20 milliards d'euros. L'Égypte a confirmé le 4 mai courant l'achat à la France de 30 avions de combat rafales. Cette vente confirme le succès à l'exportation de l'avion de combat français. Au total, les importations égyptiennes d'armement français se sont élevées à 7,7 milliards d'euros entre 2010 et 2019, faisant du Caire le quatrième pays client de la France en matière d'armement. Signe récent de réchauffement, le président Abdel Fattah El-Sissi a été reçu en décembre 2020 par son homologue français Emmanuel Macron, qui lui a remis la Grand Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction honorifique française. L'échange commercial a également augmenté sur les 5 dernières années entre les deux pays. La France est le sixième investisseur en Égypte et des entreprises françaises s'intéressent donc à ce marché. La présence économique française en Égypte, composée de 160 filiales qui emploient plus de 50 000 personnes, s'est également récemment renforcée. Les entreprises françaises bénéficient de positions fortes sur les secteurs porteurs de l'économie égyptienne. Industrie, eau et assainissement, agro-industrie, équipement électrique, pharmacie, distribution, exploitation d'hydrocarbures, tourisme et infrastructures. La signature de contrats emblématiques pour les entreprises confirme régulièrement la qualité de la relation économique égypto-française. Dans le secteur des transports, le métro du Caire est un projet phare de la coopération bilatérale, avec une importante participation des entreprises françaises, notamment grâce à un soutien financier. La France a déclaré que son excédent commercial avec l'Égypte est en forte progression, plus 68% à 1,6 milliard d'euros en 2019. La balance commerciale a néanmoins connu de fortes fluctuations d'une année sur l'autre. La France et l'Égypte ont fait de la coopération en matière de santé l'une des grandes priorités de leur relation bilatérale. Le 15 juin 2020, l'ambassadeur de France en Égypte Stéphane Rhomathète, la ministre de la coopération internationale Rania Mouchotte, la ministre de la santé Hella Zayed et le directeur de l'AFD au Caire ont signé un accord de financement de l'AFD prévoyant l'allocation de 15 millions d'euros, soit plus de 260 millions de livres égyptiennes au ministère égyptien de la Santé.
Cette aide de 15 millions d'euros a soutenu la réponse d'urgence du ministère égyptien de la Santé pour faire face à la pandémie de COVID-19. La France est ainsi mobilisée depuis de nombreuses années aux côtés du gouvernement égyptien pour soutenir le secteur de la santé et de la protection sociale en Égypte. Elle est l'un de ses principaux partenaires à travers en particulier le projet d'appui à l'amélioration du système de soins de santé primaire, mais aussi le projet d'appui budgétaire au secteur de la protection sociale qui vise à accompagner les autorités égyptiennes dans la mise en place de l'assurance santé universelle. En outre, l'ambassade de France soutient depuis de nombreuses années les coopérations dans le domaine hospitalier et médical grâce au financement de missions de médecins et scientifiques, de séminaires ainsi que de projets de recherche bilatéraux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier à Paris le général Abdel Fattah el-Burhan, chef du Conseil souverain de transition au Soudan. Au cours de cette entrevue, le président el-Sisi a loué les relations solides et historiques qui lient les deux pays sur tous les volets, ainsi que la coopération bilatérale. Il a ajouté que l'Égypte soutenait la stabilité économique au Soudan en s'engageant à participer à la conférence internationale convoquée en France pour consolider la période transitoire au Soudan. Pour sa part, Abdel Fattah el-Burhan a apprécié les efforts déployés par l'Égypte sous la direction du président el-Sisi, surtout lors de la période décisive par laquelle passe le Soudan. Il a salué aussi les efforts déployés par le Caire en vue de rééchelonner les dettes extérieures du Soudan. Monsieur el-Burhan a assuré que de larges horizons s'ouvrent devant la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines de développement. Les deux leaders ont échangé les points de vue sur le dossier du barrage de la Renaissance qui s'avère une question de sécurité nationale pour les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au siège de sa résidence à Paris M. Éric Trappier, le PDG du groupe aéronautique français Dassault, constructeur des Rafales. Selon le porte-parole de la présidence, el-Sisi a mis l'accent lors de cet entretien sur l'intérêt qu'accordait l'Égypte à sa coopération fructueuse avec Dassault, qui reflète la profondeur des relations égypto-françaises dans le domaine de la défense, surtout à la lumière de la valeur qu'ajoutent les pièces militaires fabriquées par cette entreprise au potentiel des forces armées égyptiennes. Monsieur Trappier a lui aussi souligné l'intérêt que son groupe a développé sa coopération avec l'Égypte, un de ses plus importants partenaires au niveau mondial, vu le rôle que joue le Caire dans l'instauration de la stabilité et de la sécurité au Proche-Orient, dans la Méditerranée orientale, en Afrique, ainsi que son rôle prépondérant dans la lutte contre le terrorisme. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives aux hôpitaux égyptiens pour recevoir les blessés de la bande de Gaza, victimes de l'agression israélienne. El-Sisi a aussi instruit de coordonner avec les frères palestiniens pour leur fournir tous les besoins nécessaires. L'Égypte avait plutôt décidé de rouvrir exceptionnellement le point de passage de Rafah entre l'Égypte et les territoires occupés en vue de recevoir les blessés palestiniens. L'autorité des ambulances avait pour sa part consacré tout son potentiel en vue de transférer les blessés de Rafah vers les hôpitaux égyptiens. Le chef de la diplomatie, Samer Choukri, s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain, Anthony Blinken, des derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés. Le chef de la diplomatie américaine a salué lors de cet entretien les efforts déployés par l'Égypte et les contacts qu'elle entreprend avec les parties palestiniennes et israéliennes en vue de stopper les agressions. Les deux ministres se sont mis d'accord sur l'importance de poursuivre la coopération et la coordination entre l'Égypte et les États-Unis en vue d'instaurer la paix et la stabilité dans la région. Un commentaire.
des Affaires étrangères a indiqué que le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue russe Sergueï Lavrov ont jugé important qu'Israël stoppe ses agressions contre la bande de Gaza pour mettre fin à l'effusion du sang qui a commencé durant les quelques derniers jours suite à l'escalade de la conjoncture à Jérusalem et dans la mosquée d'Al-Aqsa. Cet appel téléphonique s'inscrivait dans le cadre de l'intensification des contacts sur l'agression israélienne contre les terres palestiniennes. Choukri et Lavrov ont souligné l'importance d'un cessez-le-feu total pour sauver la vie des Palestiniens et frayer la voie aux efforts politiques. Les développements en cours confirment que l'action politique est indispensable, ont-ils noté, ajoutant que la communauté internationale, une fois les affrontements militaires sont arrêtés, doit agir sérieusement pour l'établissement d'une paix réelle et juste. Les deux chefs de la diplomatie ont convenu de poursuivre la coordination et l'intensification des contacts avec les diverses parties concernées pour désamorcer cette crise, surtout au vu des préparatifs en cours pour la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité pour la troisième fois dans une semaine, partant de sa responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'était donc le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, qui s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, sur la situation dans les territoires palestiniens. Et nous sommes actuellement en attente d'un sommet égypto-français à l'Élysée à Paris. Et je vous laisse actuellement, et cette édition prend fin, mais également la transmission en langue française prend frein, mais elle reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Canal TV International et on attend le sommet égypto-français à l'Élysée. Au revoir.